Aujourd'hui, nous allons traverser la forêt sombre et obscure de l'aéroport de Berlin. Nous sommes dans une pleine contrée sauvage, totalement inconnue. Personne n'a jamais visité ce lieu. Nous allons donc traverser cette jungle en faisant attention à ne pas faire célébrer par les Mad Frank de Cyrus. Du bist ein großer Scheiße. Nous testons aujourd'hui le ragoût de moutou avec le topinambour. Peut-être. Je suis pas sûre pour le topinambour. We live on the Nile, we love by night. We sleep on the cliffs above by day. We fish in a deep, we stand on long bare islands of yellow sand. Vous voulez pas dire? Et montre-leur à quoi ressemble le pâté. Et voici notre assiette de crudité. Et voici comment nous la mangeons. C'est fameux? Est-ce que c'est fameux? Oui. On a fait trop de cheval et on a mal au cul. C'est quoi ça que je suis congelé? Ils sont un peu durs à mastiquer. On vient de manger du mouton. Mais on sait pas trop quelle partie. Moi je sais hein. Non. C'était des tripes. Mais trop bas. Moi j'ai pas fait caca depuis deux jours. King and queens of the pelican sea. No other bird so grand we see. None but we have feet like fins with lovely leathery throats and chins. Alors tout se passait très bien. On a fait notre première demi-journée on va dire de rando avec les sacs et tout. On s'est posé à côté d'une petite rivière, sans la tente, on se prépare notre petit truc pour le feu. Là, on se rend compte qu'on a oublié les putains de piquets de la tente dans le sac des chevaux. C'est parti pour 4 jours en plus. Voilà à quoi ressemble notre petit nid douillet. Le feu de bois à la bouse de Yak. Le premier combustible utilisé dans le feu, c'est d'avoir des petits copeaux de bois comme ceci, des feuilles mortes. Nous avons ensuite mis quelques brindilles et nous avons fait tenir le tout avec de la bouse de vache ou de yak, on n'est pas sûr. Alors la bouse, il faut la prendre bien blanche et soit bien sèche, sinon ça craint pas. Super bon combustible, mais par contre ça pue sa race. Thank you.
est là. Hé, elle est où ma canne? C'est la baignade au bout d'une semaine sans douche. Meuf, elle est hyper froide. On peut se laver les pieds au moins. Le de ouf, tout est trempé. Il nous pleut dessus dans notre tente made in China. Voilà, donc j'éclaire Avril pendant qu'elle met du sparadrap sur sa moustiquaire. Il y a un côté qu'on ne peut pas atteindre. Alors du coup, elle va nous pleuvoir sur nos pieds. Ah. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. Je vais accueillir le plaid, je siffle tant que je... Bye bye bye. Docteur. Non. Prost. Prost dit-il.